Donc, les attachements de la réfoua chez Mado. Céline Khaya. Céline Khaya Batsimcha. Rabo Shaya ou Yosef. Mito Bezari. Et Ayush Ami Raphaël Ben. Ayush. Ayush Ami. Ami. Raphaël. Raphaël. Ben Mazal Tov. Ben Mazal Tov. Yaakov Ben. Yaakov Ben. Emma. Emma. Bat Esther, Bezrat Hashem, Dr. Charé, Bezrat Hashem. Vous leur donnez la foi chez moi. Alors, vous savez que Bezrat Hashem, on aborde une fête extraordinaire qui est la fête de Matan Torah, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, dimanche prochain. Alors, il faut savoir que quand Akadosh Baruch Hu nous a demandé de se préparer à la fête de Shavuot, il nous a demandé de passer par une mitzvah très particulière qui s'appelle la mitzvah de Sfirat HaOmer. Ouais. Chaque soir, chaque jour, on a une mitzvah de compter le Omer. D'où on le sait, c'est marqué dans la paracha, il y a deux semaines, est mort. C'est marqué « Usfartem lachem imachorat ha-shabbat miyom aviechem et ha-omer atnufa sheva shabbatot temimot tiena. » Donc vous compterez pour vous, imachorat ha-shabbat, du lendemain de Shabbat, en fait, si c'est l'allusion à Yom Tov, de Pessah, premier jour de Yom Tov de Pessah, Miyom aviechem et haomer, du jour où vous avez amené l'offrande de Homer, Atnufa, Sheva Shabbatot Temimot Tiena, cette semaine entière, elles seront pour vous. Maintenant, Admachat HaShabbat, HVI, jusqu'au lendemain du Shabbat HVI de la septième semaine, Tisperu Hamishim Yom, vous compterez 50 jours, Vikraftem Mincha Hadasha Lashem, et donc, vous, Bezrat Hashem, vous offrirez une nouvelle mincha chadasha, d'accord, une nouvelle offrande qui est une offrande très spéciale, qui est la seule offrande dans toute la Torah où on offrait le du hametz au Beit HaMikdash. C'était la seule, c'était deux pains et le blé. Alors vous savez que moi, bon, je vous dis, un petit chidouche comme ça sympathique pour commencer. Vous savez que c'est marqué, il y a un problème dans les tzoukhi. C'est marqué dans le premier verset, usfatem lachem mochat shabbat miyam aviyechem et haomer va sheva shabbatot, cette semaine, d'accord. Après, dans le deuxième passage, c'est marqué Admochrat HaShabbat HaJvi'i Tisperu Hamishim Yom. Et donc, vous compterez 50 jours. D'accord. Donc, alors, j'ai un problème. On compte 7 semaines ou on compte 50 jours? 7 semaines ou 50 jours? Parce que vous savez que 7 fois 7, ça fait combien? 49. Ouais. Donc, ça fait 49. Et après, dans le passage d'après, on nous dit on compterait 50 jours. Alors, on doit compter 49 ou on doit compter 50? C'est à partir du soir. Oui, d'accord. Ça change quoi? La Torah te dit, dans le premier verset, te dit, tu comptes, vous compterez 7 semaines. C'est Shavuot. Bidouk. Alors, on devrait compter Shavuot. Et c'est marqué dans le passage d'après. Usfartem Chamishim Yom. Vous compterez 50 jours. Donc, on doit compter 50 jours ou on doit compter 49? Il n'y a pas un rapport avec la nuit et le jour, là? Alors, viens Rashi. Rashi nous répond. Et il nous dit quoi? Il nous dit, Ad Velo Ad Bichlal. C'est-à-dire qu'on doit compter, mais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'aux 50 jours, mais pas jusqu'au bout. Ça veut dire. Mais je vois d'un côté la Torah, je dis 50. Enfin, je dis non, mais tu comptes 50, mais pas 50. Alors, vous savez qu'il y a une mitzvah très particulière dans la Torah qui s'appelle la mitzvah de Maaser. Je crois que c'est Parashat HaShavua d'ailleurs. C'est Parashat HaShavua. Il faut devoir prélever le Maaser sur l'argent, mais Beikaron, la Torah nous parle de quoi? Elle nous parle de la mitzvah d'un Parashat HaShavua des animaux. D'accord? Je crois que c'est Parashat HaShavua. Je pense qu'on parle de la mitzvah de Maaser, non? Je crois. Je crois qu'on va regarder. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on parle de la mitzvah de Maaser. Comment ça se passait? On avait un troupeau. Il y a un chok qui est comme ouvert tachat hachevel. C'est-à-dire qu'on a une obligation que maintenant, les animaux, quand on compte le Maaser, c'est pas qu'on compte le Maaser, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pack. Celui-là, le dixième, il est Maaser. Non, ça ne marchait pas comme ça. Comment on faisait? Il fallait que l'éleveur il fasse un petit couloir. Et on faisait passer tous les moutons, toutes les vaches, on les faisait passer. Et après, le dixième qui passe, on lui donne un coup de pinceau sur le dos. Lui, il est le maaser. D'accord? Maaser Bema. Maintenant, la Gemara dans Bechot, elle pose la question. Elle demande comment on fait dans un cas où maintenant la personne, elle a que 10 animaux, 10 moutons. Elle peut pas, la Torah te dit, tu peux pas commencer à choisir ce que tu veux. Voilà, ça, celle-là, c'est le maaser. D'accord? La Torah t'interdit, tu dois faire passer ta chata shema, tu dois faire passer et sélectionner le dixième animal. Donc il passe, les neuf ils passent et la dixième elle passe pas. Alors comment il fait?
Est-ce que maintenant il faut qu'il la lève et qu'il la frappe pour qu'elle passe et qu'après il lui donne un coup de pinceau dessus? Ou non, du fait que maintenant les neuf elles sont passées, c'est là il ne reste plus que celui-là et donc du coup elle est maaser. La Gemara dans Bechorot elle nous dit non. Et bien du fait que maintenant celle-là elle est restée là, elle est restée donc c'est mit de barer, mit barer que c'est celle-là le maaser. C'est celle-là, cette dixième-là, c'est elle le maaser parce qu'elle est restée là et les neuf elles sont passées. De bien ce fidouche extraordinaire. De là, on apprend, c'est la même chose pour l'âme Israël. L'âme Israël, il a une mitzvah de devoir compter pendant 49 jours la Sfirat HaOmer. 49 jours. Ou Sfartem, Lachem, Machvat, HaShabbat, Chamishim, Yom. Donc, Sheva Shabbatot. Donc, on doit compter 49 jours. D'accord ? On compte 49 jours. Mais le fait que tu aies compté 49 jours, ça fait que le 50e, eh ben, de lui-même, il va ressortir. Tu comprends ? Si tu comptes 48 jours, ben, il reste encore 2 jours. Mais si tu comptes 49, forcément, tu as automatiquement compté le 50e parce que c'est le dernier qui reste. D'accord ? Pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi Kadosh Baruch Hu a voulu que ce soit comme ça ? Alors, vous connaissez tous la Mishnah dans la fameuse chanson de Mishnah. Amar Rabbi Akiva. Ouais ? Amar Rabbi Akiva, l'ifnemi atel mitarim umi meta eretrem avirem shavashamen. Vous connaissez ça ? Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a dit quelque chose d'Israël. Ashrechem Israël. Heureux êtes-vous Israël. L'ifnemi atel mitarim umi meta eretrem. Devant qui vous vous purifiez et qui c'est qui vous purifie? Avichem Sheva Shamaim. D'accord? Votre Père qui est dans les cieux. Le Mikvé du Ham Israël, c'est quoi? Mikvé Israël Hashem. Le Mikvé du Ham Israël, c'est Akadosh Borou. On ne peut pas s'imaginer ce que c'est cet enseignement extraordinaire de Rabbi Akiva. Donc écoutez bien comment on peut dire cette Mishnah autrement. Amar Rabbi Akiva. L'Ifnemi. Mi, ça, c'est combien? Mi, c'est même Yud. Combien c'est, ça fait Gamatria? Même Yud. 50. D'accord? L'Ifnemi, avant le 50e jour, Atem Mitari, vous devez faire l'effort de vous purifier. Mais Oumi, mais le 50e jour, ce 50e jour-là, Oumi, Mitari, Etrema, Vichem, Shebashem, Makadosh, Bokhu, c'est lui qui vous purifie. Le 50e jour, vous avez fait l'effort pendant 49 jours. Maintenant, le 50e, c'est Akadosh Bokhu qui fait ça, c'est Shavuot. C'est pour ça que c'est marqué d'un côté dans le passage que c'est marqué Sheva Shabbatot, 49 jours. Et après, le passage d'après, on demande de compter 50. C'est que tout simplement, les 49, tu t'es préparé. Et le 50e, de lui-même, Akadosh Baruch Hu, lui-même, il va venir et il va te donner la Torah Bezrat Hashem. Alors, vous savez. Alors, c'est sûr que nous, maintenant, ça aurait été mieux qu'on ne descende pas. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle maintenant, on ne fait pas la bracha de Shechia nous sur la Torah. Pourquoi on ne fait pas la bracha de Shechia nous sur la Torah? On aurait dû dire, c'est une mitzvah qui vient une fois par an, c'est comme le Kadko, le Shofar, comme le Soukha, comme la Soukha, comme le Achilat Matzah. A priori, on devrait faire Shekhiano sur le compte du Homer. Pourquoi on ne fait pas Shekhiano? Les explications, c'est parce que tout simplement, le fait que maintenant, on est descendu au 49e degré d'impureté. Alors du coup, nous, on a dû travailler pendant 49 jours pour arriver à Matan Torah. Mais normalement, si on n'était pas descendu, on serait arrivé, on serait sorti d'Égypte directement, on serait arrivé au pied du Arsinaï. Mais du fait que maintenant on est impur, alors du coup maintenant on est obligé d'attendre. Alors du coup la mitzvah de Sfirat HaOmer, tu ne peux pas dire Shekhiyah, Nouvekiyah, 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 parce que normalement tu aurais voulu être pur directement, mais tu ne l'es pas. Donc tu dois faire ce travail. D'accord ? Maintenant la question elle est comme ça. Vous savez que quand vous regardez, on a une mitzvah qui s'appelle la mitzvah de faire la Abdallah. Ouais, tous les mots de Shabbat, on a une mitzvah de faire la Abdallah. Maintenant dans cette mitzvah-là de Abdallah, on dit quelque chose d'extraordinaire. C'est bien, la violence. De Chazal. Regardez comment il parle, Chazal. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Amavdil Ben Kodesh Lechol. D'accord ? Donc, ils font la différence. Avec Kadosh Baruch Hu, on fait un shvar à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu fait une différence entre le Kadosh, le Kodesh et le Chol. Vous imaginez bien la différence entre un Sefer Torah qui est ici présent et le frigo là-bas. Ouais, c'est deux Olamot. C'est clair dans votre tête. Vous voyez, un Sefer Torah ici, on le voit, on l'embrasse. C'est Kadosh, on ne veut surtout pas que ça tombe. Si ça tombe, Chazav Shalom Hashem Mishmor, 40 jours de jeûne. Et là, un frigo, ça ne marche plus, tu le mets sur le trottoir. D'accord ? C'est comme ça. Donc tu t'imagines bien, un Mavdil, il y a une différence entre le Kodesh et le Chol. Ou Ben Or, la Chosher. Entre l'obscurité et la lumière. Tu vois la différence entre le jour et les ténèbres. Tu vois, demandez à ceux qui n'arrivent pas à dormir la nuit avec la lumière. Demandez-leur. C'est un rayon de lumière, déjà, ils n'arrivent pas à dormir. Il y a des gens comme ça. Ils n'arrivent pas. Pourquoi tu vois la différence entre la lumière et l'obscurité. Tu vois la différence. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. Tu vois rien. Quand c'est l'obscurité, tu vois rien. Quand il y a la lumière, tu vois tout. C'est clair. Écoutez bien la suite. Ben Israël, l'ami. Ben Israël, l'ami.
C'est-à-dire que nous, un juif, Kadosh Baruch Hu nous demande, ça doit être clair dans nos têtes. Que de la même manière que tu vois une différence entre un frigo et un Sefer Torah, tu dois voir la différence entre la lumière et le jour. Le jour et l'obscurité, tu vois la différence. Tu vas voir la différence entre un juif et un goy. Pour toi, ça doit être aussi clair que le jour et la nuit. Aussi clair que le jour et la nuit. Mais je vous pose la question, c'est tellement clair pour vous? Vous sentez que c'est clair comme ça? Comme le jour et la nuit? Vous le sentez ça, vous? Est-ce que vous le vivez? Vous faites une bracha? Tous les mois de Shabbat, on fait une bracha? À Mavdi Ben Kodesh, les Grolles? Ou Ben Israël, Ami? À Kadosh Baruch Hu, il a fait une différence entre nous et les goyim. Mais nous, on doit le vivre. Mais nous, on doit le vivre. Alors, Kadosh Baruch Hu, vous savez qu'il nous a donné des mitzvot pour ça. Kadosh Baruch Hu nous a donné des mitzvot pour ça. Pour la mitzvah de Brit Mila. La mitzvah de Brit Mila, c'est pour nous séparer de nous et tous les autres goyim. Vous savez que Alpi Kabbalah, avoir une relation avec une goya, c'est une des avérotes les plus graves qui existent dans la Torah. Alpi Kabbalah. Kabbalah, c'est marqué que Abraham Avinu n'ira pas le sortir du Gehinam, etc., machin, truc. Notamment tous ceux qui ont la brita chez Abraham n'ira le chercher, mais lui, il les laissera au fond du Gehinam. Des trucs terribles, c'est marqué. Alpi Kabbalah, celui qui a une relation avec une goya, c'est terrible. Pourquoi? Parce que c'est ça qui nous sépare, qui fait toute la gdoucha entre nous, les Yehoudim et les Goyim. C'est pour ça que Abraham Avinu, c'était une des épreuves. Une des épreuves d'Abraham Avinu, c'est la Brit Mila. On comprend, c'est une épreuve. Mais Adkedekar. C'est-à-dire quoi? Si on dit que l'épreuve c'était la souffrance, bah ça, je sais pas, de Kama, c'était une épreuve pour Abraham Avinu. Parce que franchement, au moment du troisième jour maintenant de la Brit Mila, il était déjà sur le bord de la porte, il était pas en train dans son lit. Il était sur le bord de la porte à 50 degrés à l'ombre en train d'attendre quand est-ce qu'il y a des invités, quand est-ce qu'il y a des passants. Donc c'est pas tellement la douleur, la difficulté. La difficulté c'était dans la Hachkafa. C'était qu'Abraham Avinu, à partir du moment où il a fait la Brit Mila, il a fait une séparation entre lui et tous les autres goyim. Et on n'a plus rien à voir. À Kadosh Baruch Hu nous a donné une mitzvah par exemple comme la kashrout, manger kasher. Manger kasher, c'est marqué Amad Tanod Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael il a enseigné que si à Kadosh Baruch Hu nous avait fait sortir de Mitzrayim juste pour nous enseigner les ma'achalot asurot, les aliments interdits pour le Ham Israël, et bien ça aurait suffi. Voilà, c'était super sympa. On est sorti d'Égypte, Hachem nous a libérés. Pourquoi? Pour se dire, regarde, le cochon, t'en manges pas. Voilà, c'était Kedai, ça valait la peine. Voilà ce qu'il dit Rabbi Ishmael. Dis Rabbi Ishmael, ça valait la peine. Ça valait la peine quand tu sors pour te dire, regarde, la gazelle, tu peux, ça, tu peux pas. Tu vois, ça, tu peux, le requin, non. C'était Kedai, voilà, fallait que tu sors d'Égypte pour ça. Mais c'est quoi, c'est qui c'est Rabbi Ishmael? C'est quoi cet enseignement de Rabbi Ishmael? Il me semble que c'est Rabbi Shmuelich qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça, il dit de la même manière que tu arrives à comprendre qu'une tomate pourrie, ouais, une tomate pourrie, tu la donnes à une vache, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais elle va se régaler, papa. Elle va se régaler. Une vache, tu lui donnes une tomate, même si elle est pourrie, pour elle, c'est un bonbon pour elle. Toi, maintenant, tu vas manger ça, eh ben, tu annonces une future indigestion, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, toi, cet aliment-là, il n'est pas chaillard avec toi. Il n'est pas bon pour toi. Donc, pour la vache, c'est le top. Ouais. Pour toi, c'est massif. C'est une indigestion qui se prépare à ça. C'est la même chose, il te dit à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi il dit Rabbi Ishmael, si Akadosh Baruch Hu nous avait donné les lois de Kashrut, ça aurait suffi pour au moment de la sortie d'Égypte, ça nous aurait suffi pour qu'on ait compris la grandeur de la sortie d'Égypte, pour t'apprendre une chose. Que de la même manière qu'une tomate pourrie, c'est bon pour une vache, mais c'est pas bon pour toi. De la même manière, tu comprends que du cochon, c'est bon pour un goy, mais pour toi, ça fait une indigestion à ta neshama. Ça fait une indigestion à ta neshama. Ta neshama n'est pas capable de supporter un truc pareil. Elle n'est pas capable. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a séparés. Vous savez qu'il y en a une. On a des mitzvot comme par exemple les chukim. Les chukim, des décrets. Décrets de la Torah. Alors voilà, par exemple, à Sukkot, et ben on prend les loulav. On prend le loulav, l'herba minim, le truc, machin. On fait Oshana. Prenez un bon pâteau, Benoît de la Croix. Emmenez-le à l'Oshanot de Poniovitch, ouais, où tu as 500 personnes qui sont en train de tourner autour de la Deva avec le Sefer Torah. Ils font Oshana, ta. Mais c'est des malades ceux-là, ils sont ouf. Mais c'est des Indiens, les mecs. Ils sont en train comme ça, ils sont là sous le talit. Oh, Sharana, oh, Sharana. Mais dis-moi, ça va ou quoi? Tu te sens bien dans ta tête? Makaralecha. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a donné des croquis? Parce que tout simplement, pour comprendre, tu n'as rien à voir avec eux. Tu n'as rien à voir avec eux. Vis ça. Maintenant, une des mitzvot essentielles que Kadosh Baruch Hu nous a donné pour nous séparer de eux, c'est la Sefirat HaOmer.
Sfirat Hanomer, Akadosh Baruch Hu nous a sorti d'Égypte et il nous a demandé chaque jour compte le Homer en attendant le don de la Torah. Donc si on te dit pourquoi tu comptes le Homer, on te dit parce que tout simplement on attend Matan Torah. Mais quand on regarde dans les psukim, regardez, on regarde juste les deux psukim de la Sfirat Hanomer, les deux psukim, qu'est-ce qui est marqué dans les psukim? Usfartem lachem imachorat haShabbat miyom aviechem et haOmer. Le jour où vous rapporterez l'offrande du Homer. Atnufa, Sheva Shabbatot. Donc, dans le verset, on nous parle maintenant de compter les 7 semaines. On te parle au moment où vous avez offert le Homer. Après, deuxième verset. Al-Macharat HaShabbat HaShvi'i Tispehu Hamishim Yom. Vous compterez 50 jours. Et attention, écoutez la suite du passage. Veikraftem Mincha Chadasha Lachem. Et vous ramènerez une nouvelle Mincha. Donc, ça veut dire que dans les psukim, on nous parle de la mitzvah de compter le Homer. On nous parle quoi? De la mitzvah de l'offrande du Homer. Et la deuxième chose, c'est quoi? La mitzvah de ramener Mincha Chadasha à Shavuot. C'est quoi ces deux offrandes? L'offrande du Homer, nous dit Srazal, elle nous dit c'est quoi? C'est d'orge. C'est de l'orge. D'accord? Ma'achal be'ema. C'est un animal, c'est du manger d'animal. C'est-à-dire qu'on offre la nouvelle récolte. On sort le soir, le lendemain de Pessah, du premier jour du Yom Tov de Pessah, on va dans les champs, on prend une mesure du Homer et on l'offre au Beit HaMikdash. C'est quoi cette offrande? Écoutez bien. Cette offrande, c'est de la nourriture d'animal. C'est de l'orge. La Gemara dans Psachim a dit une fois, il y avait un rave, il a demandé à son Talmid, il lui a dit, va regarder comment ils vont les champs de blé. Maintenant, lui, le Talmid, il arrive dans les champs de blé, il voit que tout était tout sec. Vraiment pourri, quoi. La récolte, naze. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lui, il revient, il ne voulait pas faire de la peine à son maître. Il dit, ah, écoutez-moi, elle va doubler, zéro. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il veut dire quelque chose de positif. Il dit, ah, j'ai vu, la récolte d'orge, elle est très belle. Il ne faut pas lui dire que le sable de blé, elle est mauvaise. Il lui dit, la récolte d'orge, elle est très belle. Il lui dit, va donner ça aux animaux. D'accord? Parce que l'orge, c'est la nourriture des animaux. Vous savez que la sota, la femme sota qui est accusée d'avoir fait un adultère, qu'est-ce qu'elle offre? La mincha de sota, c'est quoi cette offrande de la femme sota? C'est de l'orge. Elle doit ramener, pareil, une mesure d'orge. Pourquoi? Parce que, puisqu'elle a fait un acte animal en trompant son mari, alors cette femme-là, elle offre de la nourriture d'animal. D'accord? Elle lui offre ça, cette mincha-là, c'est en orge. Donc l'offrande du Homer, c'est quoi? C'est de l'orge. Pour arriver à Shavuot, c'est quoi? Mincha Chadasha, c'est quoi? C'est du blé. C'est du blé. À Shavuot, on ramène du blé, qui est la nourriture des hommes. C'est clair. Donc ça veut dire qu'au début, la Sfirat HaOmer, on te ramène la nourriture, tu offres la nourriture d'un animal. Tu arrives à Shavuot, tu dois ramener de la nourriture d'un homme. Pourquoi? Demande-toi ça, pourquoi? Parce que tout simplement, tu es sorti d'Égypte, tu étais un animal. On te demande d'arriver au matin de Torah, d'être un homme. D'être un homme. Sois un homme. Vous savez que c'est marqué... Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Asherot Tzitzicha Mitzrayim? Ouais. Comment ça se fait qu'Hashem nous dit Asherot Tzitzicha Mitzrayim? Normalement, on aurait dû dire, c'est moi. Asherot Tzitzicha Mitzrayim. Oui, mais attendez, comment c'était marqué? Comment c'est marqué dans le... J'ai oublié un pas sous. Excusez-moi. J'ai oublié. C'est bon. Bon, j'ai oublié. Akadosh Baruch Hu nous demande qu'au moment où maintenant on sort de Mitzrayim, on sort tout le mauvais qu'il y avait de Mitzrayim, les 49 degrés de Touma, qui sont l'animal qu'il y a en nous, on nous demande de sortir ça. C'est la mitzvah qu'on a. Vous savez que c'est marqué, par exemple, le Smag, il pose la question. Il dit, comment ça se fait que dans la création de l'homme, parce que ça marche, ça fonctionne comme ça. Il y a d'abord l'animal qui a été créé. Non, les malachim qui ont été créés le deuxième jour. Les animaux. Et ensuite l'homme le dernier jour. D'accord? Ça marche. Le malachim, l'animal et l'homme. Donc pourquoi? Parce que les malachim, écoutez bien, les malachim, eux, ils ont la connaissance de servir Hachem. Ils savent, ils font que ça, servir à Kadosh Baruch Hu. Mais ils n'ont pas le Yetzerara de fauter. D'accord? Ils ont un Yetzera, c'est pas qu'ils n'ont pas de Yetzera. Mais face à là où ils sont, dans le monde, là où ils sont, eux, ils n'ont pas de Yetzera face à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Donc, ils ont la connaissance de fauter, mais ils n'ont pas de Yetzera pour arriver à. Ils ont la connaissance d'Akadosh Baruch Hu, pardon, mais ils n'ont pas la connaissance de fauter. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'animal, c'est l'inverse. C'est que lui, maintenant, lui, il est coulou Yetzera, il n'a que des envies, que des désirs, l'animal, il ne fonctionne qu'avec ça, que avec des pulsions.
mais il n'a pas la connaissance de servir Hachem. Vient Kadosh Baruch Hu, il a fait la réunion entre les deux. Il a fait un être qui est conscient de servir à Kadosh Baruch Hu et qui a des yetzera dans l'animal. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est l'homme. Vous savez que Shlusha, la Gemara dans Chagiga, elle dit il y a trois choses qui font que l'homme est lié à l'ange et trois choses que l'homme est lié à l'animal. Les trois choses qui lient l'homme à l'animal, c'est quoi? C'est que l'homme, il mange et il boit. L'homme, il a des besoins, il va aux toilettes, et ils ont des relations. D'accord? Homme-femme. Les trois choses qui relient l'homme à un malard, c'est quoi? Qu'est-ce qui relie l'homme à un malard? C'est tout simplement, il se tient debout, il a la connaissance, comme les malachim, c'est tous les animaux, ils sont capables, il se tient debout, il a la connaissance, et il parle de la Shona Kodesh. D'accord? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu voulait nous ramener au Arsinaï, il ne peut pas donner la Torah à des animaux. Ça n'existe pas. Tu ne vas pas demander à un cheval de mettre les tefilines. Ouais, ça n'existe pas un truc pareil. Il y a des gens qui c'est des chevaux. Malheureusement, je vous dis, hein, il y a des gens qui c'est des chevaux. Mais bon, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas ça. Akadosh Baruch Hu, il veut donner la Torah. Malard. Donc il nous demande que pour être prêt à recevoir la Torah, il faut qu'on enlève le côté animal qu'on a chez nous. C'est pour ça que c'était bien. Kakadosh Baruch Hu. Il dit le Khatam Sofer que la manne est tombée le 18 hier. C'est pour ça que la fête de l'Akba Omer, il dit le Khatam Sofer. Pourquoi on fête l'Akba Omer? Il dit c'est parce que c'est le jour où est tombée la manne. C'est le Khatam Sofer. Pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a fait tomber la manne avant Matan Torah? Pourquoi Hachem a voulu qu'on mange de la manne avant Matan Torah? Pour qu'on ressemble aux animaux sur tous les points de vue. Qu'on ressemble aux malachim, pardon, sur tous les points de vue. Pourquoi? Parce que c'est quoi les trois choses qui nous lient à un animal? C'est qu'on mange et qu'on boit. C'est qu'on fait nos besoins et qu'on a des relations avec les femmes. Donc qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu va te dire, tu sais quoi, tu vas manger la manne. Pendant 40 ans, pas une seule fois aller aux toilettes. Vous imaginez un peu le truc de fou. À part ceux qui mangeaient de la viande, des corbanotes, etc. Mais en dehors de ça, la manne, on allait aux toilettes. C'était Kodesh Kodashim. C'était la bracha qu'on faisait sur la main. C'était quelque chose que... Donc qu'est-ce qui se passe? On mange et on boit comme des animaux. Et ben non, c'était plus le cas, parce que maintenant grâce à la manne, on mange à malach une nourriture divine. On va plus aux toilettes parce qu'on mange la manne. Et se séparer de nos femmes, c'est les trois jours de Shlusha Yemei Hagbala, trois jours avant le don de la Torah, que Kadosh Baruch Hu l'a dit, nous, il nous a demandé de séparer de nos femmes. Donc grâce à ça, les trois côtés qui nous relient aux animaux, que Kadosh Baruch Hu nous a séparés de ça, pour qu'on devienne des malachim, pour pouvoir recevoir la Torah. Ça, c'est la chose à laquelle on doit aspirer. Toute notre vie, on doit aspirer, ça doit être clair dans notre tête. Comme nous dit la Gemara dans l'Ida, je vous l'ai dit 15 fois ça, car au moment où l'enfant sort du ventre de sa mère, il dit une chose. Il fait jure que tu vas être un sadique et tu ne vas pas être un rachat. On ne va pas demander à une vache d'être un croco, on ne va jamais lui demander une chose pareille. On va lui demander, toi, tu dois devenir rabbi. Tu dois devenir un tamid raham, tu dois devenir grand, toi. C'est ça qu'on attend de toi. Tu dois être un sadique. Tu es sadique, va être rachat. Tout le monde l'a juré. Il n'y a personne qui a négocié. Tout le monde a juré ça. Tout le monde a juré. C'est la chose à laquelle on doit aspirer dans notre vie, on doit évoluer. Ça, c'est toute notre vie à l'image de la Sfirata Omer. Toute notre vie, chaque jour, on doit avancer, on doit se construire, on doit grandir en Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On voit que malheureusement, il y en a qui n'ont pas fait. Il y en a qui n'ont pas fait. Par exemple, les Dougmas. Écoutez bien. C'est extraordinaire ça. Il y avait un homme qui s'appelait Og. Vous connaissez l'homme? Og, c'est un géant. Og Meler Abasham. Maintenant, Og, lui, il va annoncer. À Avram Avinu, que Lot il s'est fait attraper. Lot, il y a eu la guerre avec Gog ou Magog. Non, avec, les quatre rois et les cinq rois. Quatre rois et les cinq rois. Et donc Lot il s'est fait attraper là-bas. Et Lot c'était le beau-frère, neveu en même temps, d'Avram Avinu. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Og va venir annoncer à Avram Avinu que Lot s'est fait attraper. D'accord? Vient Rashi, nous dit qu'est-ce qu'il voulait Og? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il va annoncer ça à Avram Avinu? Nous dit Rashi, écoutez bien, il voulait envoyer Avram à la mort pour se marier avec Sarah. Pour se marier avec Sarah. Vous imaginez un peu. Pourquoi Chazal, ils ne sont pas d'Anne dans tous les Kavzokhout? Juge le Kavzokhout. Lui, il est venu, il a vu que l'autre, il s'est fait attraper. Et lui, c'est un rescapé de la guerre, il est venu voir Avram Avinu. Il a dit, ah, tu sais, l'autre, il s'est fait attraper. Et ta famille, là, il s'est fait attraper, lui, il faut aller le sortir. Chazal, il dit, non, sache une chose. S'il est venu, c'est parce que lui, il veut se marier avec Sarah, qui était la plus belle femme du monde. Une des plus belles femmes du monde.
Et tout simplement, lui, il voulait qu'Abraham y meure pour se marier avec Sarah. Mais pourquoi tu ne juges pas les cas de groupe? Peut-être qu'il était sincère. Peut-être qu'il voulait vraiment aider Abraham avec nous. Il voulait vraiment aider Lot. Dit Rav Yaakov Kanevski quelque chose qui est extraordinaire. Vous savez que c'est marqué dans Michelet, Aïr Péré Adam Yvaled. Un homme, il naît un petit chamor. Ça naît un petit âne. Un homme, c'est un petit âne. Il, voilà, il fait ses besoins, il boit, il pleure, il rote, il dort, et tout. C'est tout. C'est, maman, c'est un animal. Un gosse, c'est un animal. Plus il grandit, plus il doit se rapprocher de l'homme. Mais à la base, c'est un, il naît, c'est un petit chamor. Donc je vous pose la question. Ridouche extraordinaire de Rav Yaakov Kanevski. Il pose la question, il dit, qu'est-ce que ça fait un petit chamor qui n'a jamais appris à devenir un homme? Qu'est-ce que ça fait? Ça fait un grand chamor, exactement, ça fait un grand chamor. Donc c'était évident que l'homme qui n'a jamais fait aucun travail sur lui-même pour devenir un Ben Adam, pour devenir un homme. Donc si jamais maintenant il vient annoncer ça à Abraham Avinu, c'est que t'as un grand chamor qui vient t'annoncer ça. Dis-moi, le grand chamor qui vient faire un détour jusqu'à, je crois que c'était à la bourse de Beersheba où il était Abraham Avinu, pour lui venir lui annoncer que maintenant, l'homme s'il s'est fait attraper, dis-moi, t'as déjà vu un toi un chamor? Je pose la question. Un petit tour en cheval, et d'un coup le cheval, tu vois, il veut tourner vers la droite. Ouais. Pourquoi il veut tourner vers la droite? Parce qu'il veut prendre un raccourci. Pourquoi il veut tourner vers la droite? Il veut prendre un raccourci. Non, tout simplement, il a vu de l'herbe, il a vu du fourrage. Forcément, c'est un cheval. Donc Razan nous dit, c'est évident, si homme qui n'a jamais fait aucun travail sur lui, il vient jusqu'à chez Abraham Avinu, c'est pourquoi? C'est forcément parce qu'il veut Sarah Imenu. C'est forcément parce qu'il veut Sarah Imenu. Un homme qui n'a jamais travaillé pour évoluer, pour s'élever, enlever le côté animal qu'il a chez lui, il va rester comme ça. Il va rester comme ça. Je vous donne un deuxième exemple. Lavan. Yaakov Avinu, il arrive chez Lavan. Je pense, Istama, j'ai pas vu le contraire, je serai maintenant. C'est la première fois qu'il rencontre Yaakov Avinu. Lavan, c'est la première fois qu'il rencontre Yaakov Avinu. Yaakov, il fuit son frère Esav, il arrive là-bas chez Lavan, au moment où Lavan, il le voit, il le prend dans les bras, il l'embrasse. Nous dit Rashi, il le prend dans les bras, pourquoi? Pour regarder s'il n'avait pas d'argent. Il l'embrasse, pourquoi? Il lui a roulé une pelle, carrément, hein, Yaakov Avinu, je ne sais pas si vous imaginez un peu le truc de fou, pourquoi? Parce qu'il se dit, peut-être que là-bas, dans sa bouche, il a des dents en or, il cache de l'argent, parce que si jamais maintenant, il n'en a pas sur lui. Vous imaginez un peu la folie? Pourquoi? T'as qu'à dire c'est son neveu, il l'a jamais vu, il l'a vu pour la première fois, il le prend, il l'embrasse parce qu'il est voilà, il est hyper content de le voir. Pourquoi non? Non, Rachid, il dit pas ça. Il te dit non, Lavan, il a vu le mari de sa sœur Rivka, il a vu son chaliar Eliezer arriver avec des chameaux, de la brise. Carrément, ouais, carrément des chameaux remplis d'argent, de trucs. Il a vu la brise, des camions de brise s'enchaîner les uns après les autres. C'est que c'est marqué là-bas, au moment où maintenant. Et au moment où Lavan, il dit, vas-y, rentre, paniquez, quand là-bas, j'ai débarrassé toute la maison. Il sait quoi? Ben, c'est quoi? Il nous dit, Rachid, j'ai enlevé toutes les idoles. Mais j'ai pas compris, pourquoi t'enlèves toutes les idoles? Bah, pour le faire rentrer lui et ses chameaux. Lui, il dit, mais pourquoi, dis-moi, c'est un Vodazara? Il dit, tiens, ça va bien, un Vodazara, mais quand il y a des pépettes, que dalle, moi, j'enlève pas les tout ça. Hop, allez, la brise, rentrez. C'est comme ça. Donc lui, il s'est dit forcément, si jamais maintenant, moi, je marie avec mon neveu, c'est les camions de la brise qui débarquent une deuxième fois. Donc lui, quand il arrive, il le prend dans les bras, il le touche, il le regarde partout, il voit qu'il n'a pas d'or, il n'a rien, et bien il l'embrasse pour regarder si maintenant il n'a pas des dents en or. Vous imaginez un peu le truc de fou? Pourquoi tu juges pas les caserous? Peut-être qu'il est hyper content de voir son neveu. Torah, tu dis, mais attends, j'ai pas compris, si depuis le début, c'est un petit ramor. Quand il a grandi, il est devenu un grand ramor. Il est resté le même. Et un troisième exemple, Sarah Mashkin. Vous savez que Yosef, il est en prison. Top. Là-bas en prison, il est devenu un homme extraordinaire, très respecté. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas en prison? Qu'est-ce qu'il a fait là-bas en prison? Il est devenu le général de la prison, le responsable de toute la prison là-bas en Égypte. D'accord? Il voit le Sar à Mashkim et le Sar Ophim qui ont été envoyés en prison par Paro. Pourquoi? Parce que celui qui a fait qu'il faisait du pain, eh ben, il avait mis un caillou, il s'est retrouvé un caillou dans le pain de Paro. Et celui qui servait le vin, eh ben, il s'est retrouvé avec une mouche dans le vin. D'accord? Donc les deux, ils ont été envoyés en prison. Les deux, ils se sont retrouvés en taule. Maintenant, Yosef, il voit que maintenant leur tête, elle est triste. Il voit le matin, il voit qu'ils sont tristes. Moi, regarde, je vous pose la question, juste entre nous. Ouais, vous êtes responsable de la prison. Vous êtes vous-même prisonnier. Mais bon, celui qui est le responsable de la prison, il vous aime tellement qu'il vous a aussi nommé responsable. C'est le cas de Yosef. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Yosef, tu vois un prisonnier, il fait la tête le matin. Tu veux lui poser la question, qu'est-ce que ça?
T'es dis-moi, papa, t'es en prison, t'es dans un trois, tu vas pas lui demander. Youssef, vous imaginez, grâce à sa gentillesse, Youssef, il est sorti d'Égypte. Grâce à sa gentillesse, il est sorti de prison. Parce que Youssef, il est parti le voir, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi votre tête, elle est pas bien ce matin? Tu te poses la question, tu poses cette question-là à un tolard. Franchement, tu poses la question à un tolard. Et Youssef, tu vois, de la sa gentillesse, c'est sa gentillesse qu'il a sorti de prison. Parce que grâce à cette question-là, ils ont raconté l'oral, etc. Et Youssef, il a... On peut pas s'imaginer un peu. Qu'est-ce qui va se passer? Donc lui, il interprète le rêve de chacun. Et le maître et chanson, celui qui sert le vin à Paro, qui sert les poissons à Paro, il est libéré. Et qu'est-ce qui va se passer pendant 2 ans? Au lieu de se souvenir de Youssef, il l'oublie complètement. D'accord? Il oublie complètement Youssef. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il arrive, Paro, attention, situation d'urgence, comme ça nous raconte le Midrash, situation d'urgence, Makara. Paro, ça fait 2 ans qu'il fait le même rêve tout le temps. Tout le temps. Et cette vache maigre, cette vache grosse qui monte du Nil, cette vache maigre qui arrive et qui les mange, cet épi bébé, cet épi gros, et après cet épi tout mince, machin. Tout. Il fait pendant 2 ans le même rêve toutes les nuits. Mamache, il devient fou. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il se réveille, le Sarah Machine. Le maître échanson, d'un coup, il se réveille. Oui, je connais un homme! Un petit juif pouilleux là-bas, dans la prison de Paro. J'en connais lui, il interprète bien les rêves, Dis-moi, au bout de 2 ans, baba, c'est seulement maintenant que tu te réveilles. Nous dit Straza, écoutez bien ce que nous dit Rashi. Pourquoi? Parce que tout simplement, puisqu'il a vu que maintenant Paro, il allait mourir, il n'en pouvait tellement plus de plus dormir la nuit, dès qu'il s'endormait, il faisait ce rêve. Devenez fou! Paro, devenez fou! Donc quoi maintenant? Ils ont appelé à la Zaka, ils ont appelé tout le monde. Magen David Adam, tout le monde a débarqué devant le palais de Paro. Ils ont dit, qu'est-ce qui se passe? Paro, il va mourir. Pourquoi? Parce qu'il a fait des rêves, il arrive plus, il n'en peut plus, ça y est, il va faire un arrêt cardiaque. Lui, d'un coup, il dit, attends, dis-moi, s'il y a un autre Paro qui change, mais moi, je peux plus, il va changer ses cuisiniers, hein. Les cuisiniers de Bush, c'était pas les cuisiniers d'Obama. Ouais, on change toute la cuisine, c'est pas les mêmes cuistots, c'est pas les mêmes choses. Donc qu'est-ce qui va se passer? Lui, il dit, si jamais il meurt, eh ben moi je perds mon boulot, je suis au chômage. Donc il faut qu'il reste en vie. Donc maintenant je vais raconter le rêve. Vous imaginez un peu l'ingratitude. L'ingratitude, pourquoi? Comme pourquoi? Peut-être que non, il a vraiment pensé vouloir aider Paro. La Torah te dit, Ras Véchalan, un petit ramor, tu l'as déjà vu, il grandit, il devient un grand ramor. Il reste le même. Regarde, vous savez qu'il y a une grande question là-dessus. J'ai Hatsuma. Il arrive, il dit, Nahar Ivri, je ne sais plus comment il dit, Nahar Ivri, Eved Ivri Nahar, je crois, un Nahar, en tout cas, c'est un jeune serviteur hébreu. Ouais. Il me dit, Rashi, pourquoi il dit ça? C'est bien, pourquoi il dit ça? Il dit, il est jeune, donc ça veut dire qu'il ne pourra jamais devenir roi. Il est Ivri, c'est-à-dire qu'il ne parle même pas notre langue. Et il est Eved, parce qu'il y a une loi en Égypte que tout simplement un serviteur ne peut pas devenir, ne peut pas toucher à la royauté. D'accord? Le top de l'ingratitude, quoi. C'est-à-dire, il fait exprès de dire à Paro pour être sûr qu'il ne prenne pas trop de place, celui-là. Maintenant, écoutez bien. Il dit Nahar, il dit Rashi. C'est quoi Nahar? Il est typesh. Il est bête. Il y a un jeune là-bas en prison, il est débile. En plus, il est juif, et en plus de ça, il est esclave. D'accord? Il est bête. Moi, je vous pose la question. C'est bien cette question extraordinaire. J'ai entendu une fois, il y avait un rabbin, une fois, il m'avait posé cette question à la Abnevoa. Il m'avait dit, dis-moi, il n'avait pas peur que Youssef il débarque et il va voir qu'il est hyper ram. Toi, t'arrives, tu dis, mais voilà, je connais quelqu'un, c'est un imbécile, quoi. Mais il interprète les rêves. Maintenant, il débarque. Et tu vois, le mec, c'est une tronche atomique. Il connaît les 70 langues, il te parle, il t'explique exactement comment faut gérer tout le pays, machin, truc. Mec, il a fait maths sup, maths spé, l'ENA et truc. Il a tout fait. Ouais, tu vois, en face de droit, un monstre. Et lui, quand il le présente à Paro, il fait, c'est un jeune débile, truc. Mais pourquoi tu dis qu'il est débile? T'as pas peur qu'il va s'en rendre compte qu'il est super intelligent? Tu prends des risques à parler comme ça. La réponse, c'est qu'il pensait vraiment qu'il était fou. Il pensait qu'il était débile. Pourquoi? Écoutez bien. Parce que Youssef, quand il est en prison, il a raconté pourquoi il est en prison. Il a dit, je vous dis, je suis en prison parce qu'en fait, tout simplement, j'ai la maîtresse de mon maître qui me courait derrière. Elle me courait derrière tout le temps. Elle me courait derrière. Et moi, à chaque fois, je m'enfuyais. Et un jour, elle m'a arraché mon habit. Elle m'a accusé comme quoi je l'ai violé alors que j'ai rien fait. Tout le temps, toute la journée, elle s'acharnait pour que j'aille avec elle. Mais moi, je voulais pas. Eux, quand ils ont entendu ça, ils ont dit, mais papa, t'es fou, mais va avec elle. Mais kiffe ta life. Mais vas-y. Mais beaucoup, t'es fou, en plus t'es un beau gosse, t'es une bombe atomique. Mais profite Youssef. Profite. Et lui dit, mais non, Ras Bechalom, c'est une avéra. Il est craqué, le mec. Il est complètement fou.
Il est fou. Donc c'est pour ça qu'en fait, il pensait vraiment qu'il était fou. Quand il a présenté à Paro, il a dit, voilà, c'est un art, il est jeune, il est imbécile, c'est un fou. Avec, en plus, il est ivri, il est esclave, d'accord? De là, on apprend quoi? On apprend tout simplement à partir du moment où une personne n'a jamais fait aucun travail pour se travailler, pour se construire, pour devenir quelqu'un, quelque chose d'autre, pour devenir quelque chose d'autre que l'animal qu'il possède en lui, et ben il va devenir un grand rat mort, il va devenir un grand animal, c'est tout ce qu'il va devenir. C'est pour ça que moi je dis aux gens, faites attention quand vous vous mariez. Faites attention. Avec qui vous allez vous marier? Une personne qui n'a pas un minimum de Torah, ben c'est quoi alors? Une personne qui n'a pas un minimum de Torah, Barati, etc. J'ai créé le Yetzera, j'ai créé la Torah en médicament, me dit la Gemara. Le seul médicament du Yetzera, c'est la Torah. C'est pas les brachot du baba, c'est pas les trucs, non, c'est la Torah. Le seul médicament. Les gens, ils viennent me dire, oh voilà, j'ai trouvé mon zivug, bon, il étudie pas, mais bon, vraiment, c'est un bon garçon, il est vraiment super. J'ai pas compris, comment tu veux quelqu'un qui a relève en Torah, il a rien. Alors qu'est-ce qu'il est? Il est né, c'est un petit ramor, maintenant c'est un grand ramor. Ah, tu veux un ramor sous ta roupa, la briote, voilà, c'est la kusha, c'est vrai, mais binyanadea, qu'est-ce que je te dis? Comment c'est possible? Une personne, des gens, ils viennent me dire, comment c'est possible? Grave, vous pensez que c'est bon, c'est un bon parti. Mais comment tu veux que ce soit un bon parti à partir du moment où maintenant il n'y a rien? Il n'y a que de l'animal. Il n'y a rien. Si tu n'as pas un minimum de Torah, tu n'as pas un minimum de conscience de ce que ça veut dire que la vie, tu n'as rien. Vous savez qu'une fois, il y avait un grand sadique qui s'appelait le Imre Emet Migo. Imre Emet, c'est un des grands sadmourines de Go. Lui, en Europe de l'Est, il avait la plus grande bibliothèque de Sfarim. Kadosh, bien sûr. Ouais, je crois qu'il avait plus de 300 000 livres. Si vous imaginez, c'est ça bien. Agave, pour notre petite histoire, lui, à chaque fois, il y avait des gens qui venaient, qui venaient du monde entier pour lire les sfarim qu'il avait. Il n'y a pas un seul livre qu'il avait dans toute sa sifria, toute sa bibliothèque, qu'il n'avait pas lu. Qu'il ne connaissait pas. Je vous imagine un peu la tête. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, le numéro Emmet de Go, tout le monde venait pour lire les sfarim. Tout le monde en profitait. Des fois, il y avait des gens qui volaient les livres. Il y avait des livres qui disparaissaient. Et alors on est parti voir le rab. On a dit que Vodarab, on a de mots. Vodarab, on voudrait vous dire que des fois il y a des livres qui disparaissent. Peut-être qu'on met des chambrimes à l'entrée de la bibliothèque. Il dit, attendez, 99% des gens qui viennent ici, c'est pour étudier la Torah. Maintenant il y a peut-être 1% de voleurs. Je ne vais pas commencer maintenant à mettre des chambrimes, être rochède et à craindre que tous les juifs sont des voleurs. Parce que tout simplement, il y en a un qui vole. C'est le chemin. Donc lui, il voulait pas mettre des chambrimes. Et c'est sa bibliothèque comme ça. J'imagine un peu le... Une fois, l'Imre Emet, il était en voyage en Eretz Israël. Et à Yerushalayim, il y avait une personne qui était un grand émancipé, qui avait au lieu aussi une très grande bibliothèque. Il avait une bibliothèque Rol et une bibliothèque Kadosh. Kodesh. Kadosh. On a demandé au Imre Emet, on lui a dit, est-ce que vous voulez maintenant, vous voulez aller faire le... visiter le Fodara, vous voulez aller visiter cette bibliothèque, il a beaucoup beaucoup de sfarim. Il a dit oui d'accord, pourquoi pas. Il est parti. Et au moment où il rentre dans la salle, donc il voit tous les sfarim, il dit voilà, vous voyez la quatrième bibliothèque, voilà, cinquième étage, le livre le plus à droite, rouge. Je suis là. Voilà, on va le chercher, on le ramène. Et il ouvre le truc et il y avait son tampon de sa bibliothèque à lui. Alors à ce moment-là, il dit c'est à moi. Je ne suis pas crochet, que vous me l'avez volé. C'est pas vous qui l'avez volé, c'est sûrement quelqu'un qui vous l'a volé, qui vous l'avez acheté. Mais si vous l'avez, est-ce qu'au moins vous l'avez lu? Pourquoi? C'était quoi ce Sefer? Ce Sefer, c'était le Pirouche de Pirkei Avot du Yabet. Un grand, c'était un Rishon, qui s'appelait le Yabet. Il a écrit un Pirouche sur le Pirkei Avot. C'était le Pirouche sur le Pirkei Avot. Il dit, j'ai une question. C'est devant l'Imre. Pose la question. Il s'est marqué, lui-même, mais Yahabet s'est posé la question. C'est marqué dans la Mishnah dans Pirkei Avot. Im en kemar, en Torah. Im en Torah, en kemar. S'il n'y a pas de farine, alors il n'y a pas de Torah. Et s'il n'y a pas de Torah, alors il n'y a pas de farine. Alors lui, il aimerait s'y pose la question. Il ramène la question du Yahabet. Il dit, je comprends bien la première partie de la Mishnah. Im en kemach en Torah. Si quelqu'un n'a pas de quoi manger, il n'a pas de quoi se nourrir, il n'a pas de quoi vivre, bah en Torah, il n'y a pas de Torah. Comment tu peux étudier la Torah si tu n'as même pas de quoi vivre? Mais par contre, il dit, je ne comprends pas la suite de la Mishnah. La suite de la Mishnah, c'est quoi? C'est im en Torah en kemach. Si tu n'as pas de Torah, alors tu n'as pas de farine. Il dit, ma pitom.
voient des gens, ils ont des Mercos, des Porsche, des trucs, ils connaissent rien en Torah ou à l'eau. Ils sont avec, ils sont en train de fumer leurs cigarettes pendant Shabbat, et tu vois que les mecs, ils ont le kevar, ils ont la farine, ouais, ils ont de quoi vivre. Et pourtant, ils n'ont pas la Torah. Alors, qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la Mishnah? C'est bien le pirouche lié à la bête, extraordinaire. Il vient dire tout simplement, je vous pose la question. Vous arrivez devant un chamor, vous lui donnez la tige, il va manger. Hein, un chamor, il va manger. Très bien. Vous lui donnez la partie avec les grains, qu'est-ce qu'il va faire avec? Ben, il va la manger. Au contraire, il va kiffer. Ouais, c'est le meilleur. Donc lui, il va la manger. Je lui pose la question, est-ce que vous croyez qu'un chamor, il va se dire, s'il y a des grains, et c'est pas comme le bas, et c'est pas comme la tige, c'est qu'on peut en tirer une leçon. C'est que peut-être que si nous l'écrasons, on sortira de là de la farine. Vous croyez qu'un chamor, il va réfléchir à tout ça? Sauf vous. Et de cette farine, tu la mélanges avec de l'eau, tu rajoutes un œuf et 500 grammes de sucre et tu en fais du pain. Il va faire, un chamor, tu crois qu'il va faire ça? Il s'en fout, lui, il voit ça, il mange. Ouais, il voit ça, il mange. C'est ça qu'il vient te dire, le Père Kavod. Im en Torah en kemar. T'es d'alecha, si t'as pas de Torah en toi, tu verras jamais la farine dans rien dans ta vie. Tout ce que tu feras dans ta vie, c'est voilà, tu seras un animal. Il y a de l'herbe, et ben tu vas brouter. Il y a des trucs, tu vas boire, et ben tu as de l'eau, et ben tu vas boire. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a des gens qui sont comme ça toute leur vie. C'est-à-dire, alors tu veux sortir, allez on sort. Ouais, allez, il sort. Et après, allez on rentre, allez on rentre, allez on rentre. Et on va faire un poker, allez on va faire un poker. Voilà. Et après on va boire un coup, on va boire un coup. Dis-moi Baba, c'est ça, dis-moi, tu cherches pas un peu la farine dans ta vie? Cherche l'essentiel. Cherche l'essentiel dans ta vie. C'est pas que tu ne t'arrêtes pas à la tige, mais cherche ce qu'il y a au fond. Cherche ce qu'il y a au fond. C'est pour ça que la Torah nous demande qu'écoute bien. Tu, pendant ces jours-là de Sfirat HaOmer, tu dois te construire. Ton côté animal, tu dois le laisser de côté. Tu dois comprendre la grandeur de ce que tu es. Tu dois comprendre ce que tu représentes. Moshe Rabbeinu, qui est monté en haut du Har Sinaï. C'est marqué, écoutez, ce qui est bien, ce qu'il me dit. Le Mégalé Amoukot. Écoutez bien, le Mégalé Amoukot, il nous donne un pshat extraordinaire. Il nous dit comment ça se fait que l'endroit, la montagne sur laquelle a été enterré Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où est-ce qu'elle est, mais elle s'appelait Har Nevo. Har Nevo, la montagne de Nevo. Il nous dit le Mégalé Amoukot quelque chose d'extraordinaire. Vous savez pourquoi ça s'appelle Har Nevo? Parce que Moshe Rabbeinu, Nun Bo. Nevo, c'est quoi? Nun Bet Vav. Non, beau, mon cher Abénou, il contient les 50 degrés de Gdoucha. Les 50 degrés de Gdoucha qu'on nous demande de faire chaque étape de Sfirat HaOmer pour arriver jusqu'au jour de Matan Torah, le 50e jour depuis la sortie d'Égypte. Ces 50 jours, ces 50 kinyanim, ces 50 choses, ces 50 niveaux là, mon cher Abénou, il les avait. C'est pour ça que lui, quand il a été enterré à Har Nevo. Noun, beau, il contenait les 50. Noun, c'est Gamatria, 50. Beau, il les avait en lui. C'est pour ça que personne ne pouvait enterrer Moshe Rabbeinu. Personne ne pouvait enterrer Moshe Rabbeinu. Il était tellement kadosh qu'il n'y avait qu'Hachem qui pouvait l'enterrer. Il n'y avait qu'Hachem. Vous imaginez, Avram, Rabbi Avram ben Rambam, le fils du Rambam, il disait que Moshe Rabbeinu, au moment où il est redescendu du Har Sinaï, tu croyais que tu pouvais lui parler comme ça? Tu croyais que tu pouvais discuter avec Moshe Rabbeinu? Il y avait seulement ceux qui avaient la névoie, qui avaient la prophétie, qui pouvaient s'approcher de Moshe Rabbeinu. Il était devenu tellement kadosh que tout simplement celui qui n'avait pas la névoie, la prophétie, il ne pouvait pas s'approcher de lui. Il ne pouvait pas s'approcher de Moshe. Ça, c'est à ça que la Torah te dit, mais regarde, aspire à ça. Aspire à devenir Moshe Rabbeinu. Pas Bruce Willis ou Bruce Pitt ou je sais pas comment ça s'appelle l'autre. Ouais. N'aspire pas à ça. Aspire à devenir Moshe Rabbeinu. C'est à ça qu'on te demande. Regarde comment tu peux t'élever. Regarde ce que tu. À quoi. Comment tu peux grandir. Comment tu peux devenir grand. C'est pas pour rien que pendant ces 40 jours là, 49 jours de Sfirat HaOmer, qu'est-ce qu'on nous parle? Qui de la Hiloula de qui? De Moshe Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Regarde que c'était le début de Moshe Rabbeinu. C'est le de Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il est monté sur le Har Sinaï et il n'a pas mangé 40 jours, 40 nuits. De la même manière, Moshe Rabbeinu, Shimon, il est resté dans une grotte, il n'a rien mangé à part d'autre que de la carouve et de l'eau pendant 13 ans. Bref.
Rabbi Shimon Bar Yochai, comprenez, écoutez bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est un homme qui, c'est peut-être l'homme qui a le moins de rapport avec nous. C'est peut-être l'homme, un des rabbanim dans tout le chasse, dans tout le Talmud, qui a le moins de rapport avec nous. C'était un homme que quand les Romains, on a parlé des Romains, il y avait une marque entre Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Shimon, on disait, est-ce que maintenant c'est bien ce que les Romains ils ont fait? Sans rentrer dans la marque locale, c'est une marque locale extraordinaire, la gamme. Ouais. Qu'est-ce qui, pourquoi Rabbi Yehuda il avait fait un cheval sur ce qu'ils ont fait les Romains, etc. Comment il veut faire ça? Sans rentrer là-dedans, ça c'était la bonne mère. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Shimon, il arrive, il dit, mais non, mais ce qu'ils ont fait les Romains, tout ça, ils ont fait pour eux, les marchés c'est pour les prostituées, les ponts c'est pour prendre de l'argent et les trucs. Mais il cassait tout. C'est-à-dire toute la modernité chez Rabbi Shimon n'existait pas. C'est-à-dire, on ne fait pas les iPhones, les trucs, non, oh, touche ça. On tèche tout ça. Il n'y a pas tout ça. Torah, c'est Rabbi Shimon. Ça, c'est Torah. On s'en fout, là, tous les trucs, les voitures, les trucs. On s'en fout. La Torah. Il voyait quelqu'un qui sortait, qui bossait, il le brûlait. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Il sort de la grotte, il voit un pauvre juif. Il est en train juste de labourer comme ça avec son champ. Il pousse la charrette. Rac, un tas de sang. Il avait tellement plus de rapport avec ce monde que ça faisait un tas de sang. Imaginez un peu ce que ça veut dire. Les gens, ils arrivent par milliers, centaines de milliers sur le kever de Rabbi Shimon. Il n'a pas de rapport avec toi, baba. Il n'a rien à voir. C'est Kodesh Kodashim. Le Rahim Akadosh, la première fois qu'il est arrivé à Méron, il est monté à quatre pattes. À quatre pattes, le Rahim Akadosh. Il est monté à quatre pattes à Méron. Il a dit, mais il y a tellement de malachim, il y a tellement de Kedusha sur cette montagne, mais comment moi je peux monter debout? Toi t'arrives, fais, ouais, on a Méron et tout. Mais dis-moi, baba, tu t'es cru où? Tu sais ce que c'est ici? C'est Kodesh Kodashim. Et comment ça se fait? Comment c'est possible qu'un homme qui soit tellement kadosh, qui soit tellement éloigné? Si Rabbi Shimon, il avait vécu à notre génération, prenez un Rothschild, il aurait dit, ouais, encore un religieux, fanatique, poussé, extrémiste. Vous imaginez, Marloquet dans la Gemara, si on a le droit, c'est un juif, il a le droit de travailler. Déjà, c'est une question de ouf, ça, déjà. Les gens, ils se posent pas souvent la question. Ouais, est-ce qu'on a le droit de travailler? Est-ce que tu t'es posé la question avant de faire les études? Ouais, bien, donc la Gemara, la Gemara, est-ce que tu t'es posé la question si on a le droit de travailler? Et vous connaissez quelqu'un qui se pose la question? C'est déjà posé la question? C'est évident pour tout le monde, mais oui, c'est sûr qu'on a le droit. Ben non, c'est pas chou. Marloquet dans la Gemara entre Rabbi Shimon et Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il te dit, mais oui, comment ils vont faire le Amisraël si jamais maintenant ils ne travaillent pas? Rabbi Shimon, il dit, mais à Kadosh Baruch Hu, il fera le reste. C'est marqué quoi? Faites ce que fait Mberukota, et c'est marqué pour Hashem Shavua, Mberukota et Telchou, si vous faites la Torah, etc. À Kadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, c'est pas ton problème. Dat Rabbi Shimon, on n'a pas le droit de travailler, vous imaginez? Dat Rabbi Shimon, on n'a pas le droit de travailler. Nous, on a rapport, la Lacha n'est pas comme ça, ouais, la Lacha n'est pas comme Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon. Mais il faut comprendre à qui on a affaire. Pourquoi, comment ça se fait que le Ham Israël, qui n'ont rien à voir avec Rabbi Shimon, eh ben ils vont par milliers sur le kever de Rabbi Shimon? Pourquoi? Parce que tout simplement, le Ham Israël, chaque juif, il sait au fond de lui où il est le Emet Lamido. Il sait où est-ce qu'il est le Kodesh. Qu'est-ce que c'est quelque chose de Kadosh? Comment ça se fait? Quand tu vas faire un shiur, on te demande, fais la refoua Shlema 2. Comment ça se fait qu'un juif, il va te dire « fais pour la refoua Shlema 2 » Qu'est-ce que c'est? Alors quoi? Moi je vais dire des paroles, et ça va ramener la refoua Shlema là-bas dans son lit. Quel rapport entre moi, les paroles que je vais dire, et la refoua de cette personne-là? Pourquoi? Quel rapport? On sait tous que si tu rajoutes de la Gdusha dans le monde, si tu sanctifies le nom d'Akadosh Baruch Hu dans le monde, et si à travers cette personne-là qui est malade, on sanctifie le nom d'Akadosh Baruch Hu qui est dans le monde, alors à cette personne-là, ça lui ramène à la foi chemin parce que c'est une raison d'existence. C'est comme ça que ça fonctionne. Chaque juif, il le sait. Tu vas pas demander au refait, faites-moi une bracha, s'il vous plaît. Faites-moi une bracha. Ça n'existe pas, ça. Tu vas voir le rabbin, tu vas venir bracha, tu vas voir Sharon Frahim, tu vas demander une bracha. Comment ça se fait? D'où ça vient? Parce que chaque juif, il sait au fond de lui. Est-ce qu'il veut émettre la mytho? Ou est-ce qu'il est la gdoucha bémet? Nous, on arrive pendant les jours de Sphira Taomer, on nous demande, retire le côté animal, réfléchis autrement. Réfléchis, pas seulement, enlève tous les désirs que tu as dans ton corps. Ça, c'est pas chaud. On va pas demander à un cheval de mettre le feeling. Mais on te dit, mais dans ta tête, comment tu veux réfléchir? C'est quoi le Icar dans ta vie? C'est la Torah ou c'est la Parnassa? Où est-ce que c'est? Les gens, tu leur demandes maintenant, c'est quoi l'écart dans ta vie? Bah, tu dis, bah voilà, moi, mon rêve, voilà, c'est de gagner l'auto. Je m'achète ma villa, ma Porsche, et j'ai une blonde. Voilà, ça c'est la chéifa d'un jeune de 20 ans de notre génération. Vous imaginez combien
pété de la tête. Où est-ce qu'on est arrivé? Où est-ce qu'on est arrivé? La Torah te dit, tu sais quoi, c'est d'être dans une grotte, en mangeant des carouves, avec de l'eau, enterré dans la terre. Dis-moi, le truc, tu sens pas que ta tête, elle est un peu à la four? Mais comment ça se fait? Parce que tout simplement, on te demande pendant ces jours-là où tu vas arriver aujourd'hui matin de Torah, on te dit, mais réfléchis, qu'est-ce que la Torah, elle veut de toi? Qu'est-ce que la Torah, elle veut de toi? Où on doit aller? Vers quoi on doit aspirer? Comment on doit réfléchir dans notre vie? C'est quoi le Icar? C'est quoi le Tafel? C'est quoi le principal? C'est quoi le superficiel? C'est comme ça. On te demande, ta tête, tu dois la changer. Donc, Bezrat Hashem, qu'Hashem nous aide à pouvoir nous éclairer durant toute notre vie. Que Bezrat Hashem puisse grandir en temps en Irak Shamaï. Que je vous nous envoie le Machar Bekarov, Bezrat Hashem. Amen.